Chers amis, bonjour et bienvenue dans la cuisine de recettes approuvées.com. Je suis aujourd'hui accompagné d'un chef, mais pas n'importe quel, mesdames et messieurs. Oui, un chef très pointilleux. Il est arrivé hier soir, figurez-vous. Il a dormi dans la cuisine sur son clic-clac pour peaufiner les ingrédients toute la nuit, pour vérifier tout le matériel. Je crois qu'il est fin prêt. Je vous présente Philippe de Tourbe. Ça va, mon Fifi ? Comment vas-tu ? Bah, moi bien et toi, en pleine forme ? Superbe, impeccable, bien dormi. Ah ben, il est bon le clic-clac. Ah, hein. Il est formidable. Alors aujourd'hui, tu vas cuisiner avec le vinaigre balsamique. Ouais, de la marque Toscoro. Ouais. Qu'est-ce que tu vas nous préparer ? Alors tout simple. On va faire une caramel de vinaigre balsamique. Ouais. Et en accompagnement, en fait, on va faire des crevettes en tempura. Ouais. Avec une recette avec des graines de sésame et une recette avec des graines de pavot. D'accord. C'est tout simple. Oh ben c'est tout simple, mais voilà. A priori, très, très efficace. Ouais. Hein. Parce qu'il l'a préparé depuis hier soir. Donc, l'intérêt. Top, de, top la recette. Philippe. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, allons-y. Je rappelle que ce vinaigre, on peut le trouver, vous allez le trouver en grande surface. Ce que tu me disais tout à l'heure, tu as bien aimé son côté, sa authentique, densité. Hein, densité, le goût authentique. Une preuve de qualité. Délicatement relevé aussi. Ouais. Hein, et puis son petit côté aigre-doux, bien entendu. Bah, je crois qu'il y a un moment, chef, c'est bien de me regarder. Eh bien, on y va. Il faut y aller. Voilà. Hein, alors, tout simplement, farine de tempura. Ouais. On trouve dans le commerce, hein, facilement. Si facilement. On n'a pas de farine de tempura, facilement. Oui, facilement, dans toutes les boutiques asiatiques. D'accord. Il y en a même dans de grandes surfaces. Donc, il n'y a pas de souci. D'accord. Sinon, on n'a pas de farine de tempura. Ouais. On prend de la farine ordinaire, un peu de levure chimique. Et puis voilà. Et puis, on va donc mélanger avec d'abadois, avec des bulles. Avec des bulles, de l'eau gazeuse. L'eau gazeuse pour que le beignet soit un peu plus aérien. Aérien. Voilà. Je crois que c'est le mot. Donc c'est tout simple. Que l'on cherche. Farine de tempura, on assaisonne. Un peu de poivre, un peu de sel. Voilà. Donc on prend l'eau gazeuse. Donc alors faut trouver la bonne texture, hein. Faut pas que ça soit trop liquide ni trop épais, hein. Donc voilà, il faut que ça soit la nappe, quoi. Voilà. Tu vois, voilà, on évite les grumeaux. On va mettre un tout petit peu de farine parce que tu vois, j'en ai mis trop. Voilà. Voilà, tu vois, une pâte bien onctueuse. Voilà, on va commencer par le pavot. Ouais, tu on vois. Voit bien. Hein. Tac. Voilà, très bien. Le pavot, voilà. Et puis tout simplement. Voilà, premier appareil. Toi, tu les jettes comme ça dans la farine. Alors ensuite, donc on va faire le deuxième appareil. Oui, bien sûr. Attention, hein, de ne pas trop mouiller. Voilà. On mélange bien. On met graines de sésame. Hop, tout simple. On mélange. Tu vois. On met un tout petit peu de gazeuse. Mais un soupçon. Oh là là. Voilà, tu vois, on a bien la... Alors, Willy, donc, tout simple, sucre, voilà, et on va déglacer vinaigre. Voilà. Voilà, on va mélanger. Alors, Willy, donc, le vinaigre... Combien de temps le vinaigre, Philippe ? 4-5 minutes, tu D'accord. vois, ça réduit rapidement. Hein, ouais, t'as feu doux, hein ? Feu doux, et donc sucre, tu vois, et ça va caraméliser gentiment. D'accord. Ensuite, on va prendre nos crevettes. Alors, donc, Willy, on trempe les beignets. Clac. Deuxième. Dis-tu moi, peut-être après. Et troisième. Oh là là ! Ensuite, on prend le pavot. Pavot. Bon, je m'écarte un peu, hein, chef, hein, parce que... Il y a des risques. oui. Surtout quand on cuisine avec de tourbes. Ouais, je fais gaffe. Attention. Elles font un masque et un tuba.
Voilà. Bon, là, t'es à fond hein, dans la frito, c'est normal. Ouais, c'est normal. Voilà, Willy, regarde. Les petites bébêtes, elles sont cuites. Elles sont cuites et elles sont belles, chef. Mais elles sont belles. Voilà. Alors, Willy. Oui, chef. Bon, donc, on a débarrassé un petit peu quand même. Réduction de caramel. Waouh. On met des petits beignets. Voilà. On intercale. Tac. Tac. Et voilà. Tu vois, c'est tout bête, c'est tout... Ah, mais c'est ultra simple. Ultra simple. Et après, on trempe et on mange. Eh bien, c'est tout simple. Merci, Philippe, pour cette très, très belle recette réalisée avec ce vinaigre balsamique de Modène de la marque Toscoro. Je le rappelle que vous trouvez facilement, que vous trouverez facilement dans tous vos supermarchés. Chers amis, on vous souhaite bon appétit et à très très vite. Salut mon filou, à bientôt. À bientôt. Bye bye. Aïe. Ah mais tu mouilles toi. Oh là là.